Et bonjour et bienvenue, et merde, dans cette nouvelle vidéo de The Evil Si je fais tout tomber, moi c'est pas bien. Qu'est-ce que je faisais là déjà? Ah oui, j'étais venu upgrade mes stats, sauvegarder et quitter. C'est vrai. Parce que je devais combattre un monsieur avec une tronçonneuse. Je ne suis pas sûr, mais je crois que le personnage principal a dit. Je vais pas pouvoir le tuer, lui. Mais je suis pas sûr qu'il ait dit ça. J'espère qu'il a pas dit ça. S'il a dit ça, je vais pas aimer très beaucoup ça. Les ombres sont magnifiques, n'empêche. Bethesda, vous avez fait un boulot assez admirable. Pour les ombres, du moins. Bon. Et j'ai plus de balles. Ouh, ça réagit. Ah, j'ai pas libéré. Eh ben c'est parfait. Vu que je l'ai pas encore libéré dans cette save, ce que je vais faire, c'est tout con, c'est que je vais me débarrasser de tous les autres ennemis et à la fin, je le libérerai. Donc du coup, tous les autres ennemis, ils sont moins relous. Donc je peux me permettre de me balader avec ma lumière. Pour pouvoir les massacrer. Bon d'accord, j'aurais peut-être pas dû me balader avec ma lumière. Aïe! Bon d'accord, peut-être que me balader avec ma lumière n'était peut-être pas ma meilleure idée en fait. Je me souvenais de vous comme étant des grosses mères, pourquoi vous êtes bon maintenant? Je trouve des armes. Je trouve des munitions, des trucs dans le genre. De quoi me défendre. Qu'est-ce que... Ça! Parfait! Ça, je peux en brûler un. Hein. Un de moins. Aïe, non! Ah, t'es piégé! Je trouve peut-être qu'il est con et qu'il va tirer sur ses potes, et là je serais content.
Aïe. J'ai plus de quoi me heal. Aïe. Je suis mort. J'en ai eu quelques-uns, je crois. Je crois qu'il a eu chaud. Bon, ok, ça va être très très chaud. Peut-être y aller en mode discret. Essayer de les prendre par derrière, les mecs. Ça peut être une idée. On peut pas prendre ça. Faut que je les chope à la Solid Snake. Que je les prenne par derrière en mode discret. Et que je les abatte en un coup. Vu qu'il y en a qui se relèvent, je préfère les brûler en fait maintenant. J'ai compris pourquoi le jeu me proposait de brûler les cadavres tout comme moi. Je sais pas vous, mais moi ce jeu me fait un petit peu flipper quand même. Un peu, pas trop, mais quand même un peu. Cool une seringue. Cool les munitions. Ça fait énormément de bruit ça par contre. Là, de toute façon, je m'attends à ce que des ennemis arrivent. C'est bon. C'est bon, j'ai dit. J'ai l'impression d'avoir attiré rien cette fois.
Donc c'est tant mieux. Il y a de beaux yeux quand même. Hein. Clé. Non, 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 remonte, 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 remonte. Voilà. Attends, tu peux descendre. Quelqu'un derrière la porte. Je vois rien. Oui, le jeu, je remonte comment, moi? D'accord, c'est bon. D'accord, ils m'ont pas entendu, tant mieux. Et je vais peut-être pouvoir essayer, genre, de sniper, de leur péter la gueule et tout, depuis ici, en haut. Ah bah non, en fait. Oh oui, c'est l'arbalète. Oui. Non, c'est des carreaux aveuglants. Non mais le jeu, si tu me donnes pas d'arbalète, ça sert à rien de me donner des carreaux. Tenez, voici vos carreaux d'arbalète. Quoi, vous n'avez pas d'arbalète? Allez vous faire foutre. Bah, il y a lui là. C'est dingue comment ces bouts de tissu en eux-mêmes peuvent être flippants en fait. Alors tu crois que c'est des ennemis, mais non, non, c'est juste du tissu. Ah, il y a un truc à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a à ouvrir? J'ai vu ouvrir. Bon, je ne sais pas ce qu'il y a à ouvrir, mais je pouvais l'ouvrir en tout cas. Cool, les balles. Il y a un ennemi qui m'a sûrement entendu. Mais c'est bon, j'ai assez de balles pour 6 ennemis. On va dire ça. 2 balles par ennemi. Ouais, tu restes en feu, merci, hein. C'est-il, moi, de même? Oh, voilà. C'est pas trop ce qu'il veut, hein. C'est genre, je veux venir! Ah, mais non, en fait, c'est pas par là que je voulais sortir. Il y avait pas une bouteille ou quelque chose comme ça dans le genre, ici? Si. Alors, les gars, je suis... Je suis là-bas.
là, il est entendu. Tant mieux. Coup du cul, putain! Grimpe plus vite les escaliers, s'il te plaît. Merci. Backstab! Et te relève pas. Tu restes une arbalète, enfin. Enfin! Oh, merci. Pas quoi il sert ce levier, mais on l'active. Au moins ça marche. Parfait, plus de balles. Oh, ça a l'air intéressant ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, un fusil à pompe. Oui. Merci le jeu. Il me fait des cadeaux quand je prends le jeu à la bonne vitesse. 4. Ah d'accord, fusil à pompe. Non, putain, je voulais pas utiliser. Fusil à pompe sans aucune balle, ok, merci. Par contre, s'il te plaît, quand j'ai plus de seringues, tu les laisses sur 1, merci. Y'a quoi là-dedans? Oh! J'ai mis sur le fusil à pompe. 4, on recharge. Ah bah, il est déjà rechargé. Ah bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez ouvert si rapidement? Vous êtes bienvenue de donner un try. S'il vous plaît, le temps est de l'essence. Qu'est-ce que c'est? De premier secours, ok. C'est impératif que nous trouvions Leslie avant. Anything should happen to him. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Ouais. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Ok. Non mais je m'en fous. En fait, je veux fouiller ça. Je peux pas fouiller ça? Non, je peux juste examiner. Qui m'a parlé? D'où il, où il était? En fait. Ramasser mon carreau. Non, mais il y a un autre truc que je pouvais ramasser, c'était une bouteille. Osef! Putain, la précision du gun, bordel. Ou la non-précision. Voilà, quand ils ont la tête explosée, de toute façon, je sais qu'ils sont morts. Définitivement. Par
Par contre, quelque chose me dit que je vais avoir de la compagnie très très bientôt. Un carreau? Je peux le prendre? Carreau harponneur, cool. Mais bien sûr, ferme-toi sur moi la porte. Putain. C'est à quoi ça? Bonne question. Voilà, prends ça. Au cas où. J'utilise beaucoup trop de balles pour un ennemi. Oh, tu te calmes toi, hein. Reste mort. J'ai presque plus de balles. Wait. Ah non, il me restait une balle en fait. Je croyais que c'était écrit 2 parce que c'était le slot. Oups. Je vais venir te backstab. Backstab! Et reste mort. Ne te tourne pas. C'est bien. Ravi. Bravissant. Voilà. Ok, il semblerait que quand je les backstab, j'ai pas besoin de les brûler. Crève vraiment. Ça va en fait, c'est pas très difficile à désamorcer. Du coup, si c'est pas Alt, c'est quoi la touche pour changer de munitions en fait? Ah, Alt fabriquer les carreaux. Genre, je peux? Genre je peux comme ça. R changer de carreau. Je peux en fabriquer. C'est génial. Dis donc. C'est parfait ça. Ah, je peux équiper jusqu'à 5. Ok. Mais non mais par contre j'ai changé de carreau. Ah d'accord, comme ça. Y'a pas une bouteille ici? Que je puisse lancer sur cette merde? J'ai l'impression que non. Mais attends, si je prends les carreaux explosifs et que je lui lance à la gueule, ça ferait bien bien lui faire mal. Une belle grosse dose de dégâts. Donc il devrait pas se relever, je pense. Regardez! Le mur a fait un bruit! Quoi? Ça s'est ouvert tout seul?
Ah, ok. Voilà. Alors quand la tête explose, ils sont vraiment morts. Grenade ? Mais putain, mais vas-y ! C'est pas bien de pointer du doigt. He is watching. We can't leave. Ok. Il te le dit. Qui est il? Merde. On prend tes coups par contre. Aouh ! Salope ! Voilà, merci. On prend ses coups, madame. Hop. Parfait. Putain, 6000, mais je vais pouvoir encore aller level up, moi, dis donc. Allumettes. Oh, les carreaux. Enfin, c'est des harpons que j'arrive à mettre dans ma arbalète, dans mon arbalète quand même. Hein. C'est pas rien, j'ai envie de dire. C'est une putain de bonne arbalète, hein, de toute évidence. Je crois que je me suis débarrassé d'absolument tous les ennemis. Il n'y a plus qu'à faire le gros méchant. Faut ouvrir ça. Et on le casse. Allons faire le gros méchant, babo. Est-ce qu'on le fait? On le fait à l'arbalète et les carreaux explosifs, hein? Pardon. Bah. C'est pas comme ça que je l'avais cassé la dernière fois? Attends. Je suis sûr que j'avais cassé comme ça la dernière fois. Peut-être que j'avais tiré dessus. Non, je sais plus comment je l'avais ouvert la dernière fois, moi. Oh mais attends, je peux techniquement peut-être le tuer sans même ouvrir. Après tout, j'ai des grenades.
Donc je peux genre équiper la grenade là. Genre 1. Hop. Et je la lance sur lui. Comme ça. D'accord. Maintenant, il est pas content. Vas-y, monte, mon pote. Mais non, pas celle-là! Celle-là! Cours! Bien. Bon d'accord, il a pas voulu se prendre l'autre explosion. J'ai eu! J'ai eu! Yes! Oh! Non! Qu'est-ce que? Oups! C'est peut-être pas une bonne idée. Dans tous les cas, j'ai ramassé ça. Ouh! 5000, ma gueule! Oh oh oh! Ça, c'est beau. Je peux ramasser mon carreau ou pas? Ça pourrait m'être utile étant donné que je l'ai un petit peu gaspillé. Non mais j'ai toujours une arbalète en fait, hein, du tard. Voilà. Ah d'accord, en fait, c'est parce que j'ai cru que c'était mes seringues en fait. Je suis juste con. Voilà, je peux ramasser. Il était putain de résistant par contre, waouh. Il est pas piégé, je sais. Parfait. Ah mais attends, il restait des munitions de fusil à pompe dans une des bâtisses. Donc je vais aller chercher ça. Comme ça, je ne serai pas à court. Tenir level up, sauvegarder et on s'arrêtera là pour la vidéo. On sera resté bloqué longtemps en fait dans ce même endroit. J'en suis navré. Ah c'est chiant, je peux pas le récupérer vu qu'il est sur le mur. Attends, si peut-être, non? Non. J'étais où mes munitions? Je viens plus. Ils étaient ici, ça je m'en souviens. Mais ils étaient où ici? Ils étaient ici, on est d'accord. D'accord, je peux pas descendre comme ça. Je peux pas descendre à la Léon Kennedy, à sauter d'une fenêtre du deuxième étage. Dommage. Je sais plus où étaient les missions que j'ai oubliées. Ah, pardon. C'était ici, c'est vrai. Dans cette maison-là.
il me semble, hein. C'était ici. Oui, c'était en bas. Voilà, ils étaient dans cette pièce-là, si je me souviens très très bien. Non. Bon, bah alors j'ai dû vraiment totalement zapper où est-ce qu'ils étaient. Ou alors j'ai réussi à tout les prendre. Là, c'est pas impossible, ça. Oui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Non mais tu peux la garder la tronçonneuse hein. Connard. Je vais aller sauvegarder hein si ça ne te dérange pas mon gars. Pas envie de crever aussi facilement. Surtout qu'en plus le jeu nous a donné masse de points après avoir tué ce gros tas. Ça c'est cool. Je vais me faire voler les copyrights sur la vidéo. Ah bon? Pourquoi tu m'attendais, ma grande? Rien? Ok. Je vais juste voir qu'est-ce que ça. À quoi j'ai accès avec ma nouvelle clé. Ouais, je peux avoir le sprint infini, s'il vous plaît, dans mon hub. Ce serait cool. Yes! Oh yes, 5000! Quoi? Attends, quoi? Ah oui, ils sont tous à ouvrir, carrément! Et je peux juste avoir une clé, je peux pas... C'est pas obligé que j'ai... la clé pour le truc. Ok. Très intéressant tout ça. Oh. Level up on. Alors, ça c'est 5000, ça c'est 3000, 6000, 5000. Ok, donc on va d'abord prendre le 3000. Ah merde, espace c'est annulé. Ok, je prends note. Donc, je disais... On va d'abord prendre le 3000. Voilà. Ensuite, on a 5000. Alors là, il y a 5000. Là, il y a 5000. Donc on... Et autrement, c'est 6000. Ok, donc on prend les 5000. On prend les autres 5000. Parfait. Comme ça, les prochains, c'est les 2 6000. Ah, on est bien là, hein. Temps de sprint maximal augmenté à 4 secondes. Jauge de vie 120. Dégâts corps à corps 150%. Efficacité des seringues à 36, c'est pas mal. Sauvegarde. Et merci beaucoup d'avoir suivi, n'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et à la prochaine. Bye bye.